On a eu une petite prise de bec en sortie de tournage, enfin une prise de bec. Je l'ai unfollow, il m'a bloqué, donc on s'est envoyé 2-3 pics, ça volait pas vraiment haut. Je sais pas, j'arrivais pas vraiment à le cerner, mais en tout cas pendant le tournage, ça s'est bien passé avec lui, perso. Explosive, Alix. Explosive. Alix, c'est celle qui monopolise l'attention dans la villa. Ça veut dire si ça pète chez Alix, elle peut te taper un monologue toute la journée, mais c'est Alix. Des fois, elle est censée, elle va te dire des choses sensées, mais c'est Alix. Quand elle explose pour un truc comme ça, elle va exploser, elle va te faire un long débat. C'est Alix, c'est le feu. S'il vient pour moi, bah, je pense que déjà, on pourra aller prendre des cours de blagues ensemble, parce qu'il a l'air aussi drôle que moi. Et il faut qu'on s'occupe de sa garde-robe, parce qu'un pyjama pareil, mon garçon, c'est pas possible, surtout à ton âge. Sage. Sage. Moujzat, il y en a beaucoup qui disent oh, ouais, il fait le daron, il fait le sage et tout, alors qu'en vrai, dans la villa, il avait vraiment un rôle de mec sage quand ça allait pas. C'était toujours le premier à aller voir et puis lui, il s'en foutait prétendant, pas prétendant. Il allait te voir, il allait te parler, il parlait calmement en mode daron et tout. Donc, ouais, Moujzat, moussage. Tordu. Bastos. Parce que Bastos, il peut te dire un truc le matin, qui pense le matin, il peut te dire un truc complètement différent l'après-midi. Bastos, il sait pas où il va où le vent le mène. Il en a rien à foutre et tout. Il se prend même pas la tête, Bastos. Julia. Julia, le sang. Julia, c'est le sang. Julia, c'est mon coup de cœur amical dans l'aventure. Julia, on s'est connus, j'étais prétendant, elle était princesse. Ça a direct matché, on parle encore aujourd'hui, quand elle vient sur Paris, on se voit. Julia, elle est adorable et c'est une meuf vraie, sincère, genre elle est pure cette meuf, j'adore. Marvin, m'as-tu vu? Marvin, c'est beaucoup du m'as-tu vu. Alors que je l'ai vu en soirée il n'y a pas longtemps, Marvin, c'est un gars très sympa. Mais il aime bien se la péter, il aime bien le m'as-tu vu, c'est son personnage. Au début, ça passait pas trop quand il est arrivé. J'ai pas trop aimé la phase qu'il a fait quand il est rentré dans la villa. Marvin, il arrive direct, les pieds dans le plat, entrée explosive. Frère, je fais ce que je veux de ma vie. Faut être cohérent. Tu connais pas ma vie. Je suis toujours le chat avec lui, je veux l'accueillir. Et le mec se permet de juger ma relation. Et quand on s'est revu en dehors du tournage, j'ai dit, ouais, en fait, il est sympa le gars. Jonathan... Solaire. Parce que Jonathan, c'est un mec, il va toujours être good vibe, même quand ça va pas. Après, pourtant, dans l'aventure, Jonathan, c'était un coup, il pleurait, un coup, il rigolait. Mais il est solaire, il va toujours être good vibe, il va toujours discuter avec toi, toujours, ouais, frérot, il est solaire, il est sympa. Alors, il y en a pas mal qui disent que Jonathan est calculateur. Moi, de ce que j'ai vu, hein, quand je suis rentré dans l'aventure, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis rentré, Jonathan, il était direct avenant avec moi. Je l'ai pas vu être calculateur. Quand je suis arrivé, il était déjà en bisbise avec Luna. Ça avait l'air archi sincère. Donc tous ces délires de calculateur, peut-être qu'il l'était avant que j'arrive, hein, mais moi quand je suis arrivé, il n'y avait plus ça. Sarah, royale Sarah. Sarah, elle a une attitude de princesse de A à Z, ça veut dire que genre même dans l'attitude, même dans les gestes, elle va avoir un comportement de princesse. Sarah, c'est très les manières, c'est très à l'italienne, c'est très classe, et c'est calme en même temps. Et bah écoute, entre Sarah et moi actuellement, on parle un petit peu sur les réseaux sociaux, mais pas des masses, on s'envoie 2-3 messages, voilà. Si à l'occasion elle monte sur Paris, je pense qu'on se verra, mais pour l'instant, il n'y a rien non plus de... C'est pas comme dans Les Princes. Il n'y a plus cette petite fusion qu'il y avait dans Les Princes. T'as un petit accent, c'est italien. Moi aussi, je parle italien un peu. Ah oui ? Ouais. Pizza, tu sais dire quoi ? Sayonara, despacito. Ça, c'est pas italien. Pizza, ok, excuse-moi. Ça, c'est espagnol, despacito. Laure Marie, c'est une fille sympa, je l'ai connue au début, quand on était confinés avant le tournage à l'hôtel. On a pas mal rigolé avec Laure Marie, j'aime bien. Elle est good vibe, elle est bon délire et elle se prend pas la tête. Eddie, c'est un personnage ce mec. Eddie, moi, il m'a choqué parce que quand on était dans l'aventure, je l'ai pas entendu toute l'aventure. C'est-à-dire qu'il était là, il était calme, il avait l'air saoulé d'Alix, il en pouvait plus. Et dès qu'on s'est croisés à la fin du tournage, il était refait limite, il était content et tout. Moi, c'est ce mec qui m'a fait rire parce que ça se voit, il était opprimé d'être là pour Alix. Je pense qu'il se prenait la tête tout le temps, au bout d'un moment, il en avait là. Alors qu'en fait, ce mec, trop de second degré, archi marrant en fait. Il est trop marrant ce mec, Eddie. Julien. Julien, fourbe, très fourbe. Julien, je l'ai connu déjà au début, on se connaissait déjà quand je suis arrivé. On s'entend bien, mais j'ai du mal à le cerner. Il a un comportement bizarre. Après, dans l'aventure, c'est normal, c'est mon concurrent, c'est le jeu. Mais un peu bizarre. Je sais pas sur quel pied il danse. Elle est en concurrence, Julien, chanté. Tu vas bien? Ouais. Pour moi, ce mec, il est éclaté au sol. Je serais une meuf, ce serait tellement pas mon style que je me dis, ça peut pas être le style de Sarah quand même. Il me fait pas peur en tout cas. Luna, extravertie.
Mais genre extravertie, elle est dans sa bulle. Julien, elle va te parler, oui, mais tu comprends. Tu vas lui dire ça, elle va te faire mais genre une démonstration avec des gestes. Oui, moi, à Los Angeles, c'est pas comme ça. Elle est adorable. Genre, quand elle te parle, elle part dans un trip. Elle est dans sa bulle et elle en a rien à foutre de ce qui se passe à côté. Felicia, on est rentré le même jour. On est rentré ensemble dans l'aventure. Déjà, je suis content pour Moujdat et Felicia, que ça match. Felicia, c'est une meuf, elle aime pas les problèmes. Elle déteste les problèmes, elle est adorable. Dès qu'il y a des problèmes, elle cherche à les réconcilier. Elle parle pas fort, elle est calme. Une personne comme Felicia dans le programme, ça fait vraiment du bien. Je m'appelle Felicia, je viens de Genève. Je suis une femme très douce, donc j'aime la sincérité et le respect. Je suis pas du tout prise de tête, donc je rigole vraiment pour tout. Je suis d'origine turque, et donc du coup... Oh mon gars. Et bim. Mathieu, on a eu une petite prise de bec en sortie de tournage, enfin une prise de bec. Je l'ai unfollow, il m'a bloqué, donc on s'est envoyé 2-3 pics, ça volait pas vraiment haut. On a eu une discussion d'ailleurs il y a pas longtemps, là, juste hier, donc c'est réglé. Je sais pas, j'arrivais pas vraiment à le cerner, mais en tout cas pendant le tournage, ça s'est bien passé avec lui, perso. Ça s'est bien passé avec lui, il a eu de bonnes séquences et on était dans la même chambre en soi, donc c'était chill. Ça veut dire que moi je suis sorti de tournage, en gros quand il y avait les infos qui ont fuité, en gros c'est lui qui a fuité, qui a envoyé les infos aux blogueurs quand on était sur place. C'est lui qui avait envoyé les infos et moi après ça je l'ai unfollow, tout simplement. Et donc après il m'a bloqué. Donc j'ai pas compris, voilà, j'ai juste mis un truc en disant, je sais pas, demander à Mathieu, mais il m'a bloqué, il peut pas voir. Et du coup, ça envenime un peu le truc, c'était des pics d'enfant de 5 ans, quoi. En soi, ça vole pas haut. Julien Berthe, on s'est croisé, on a parlé 2 secondes. Je l'ai vu quand je suis sorti de voir l'agence. On s'est serré la main, il m'a dit c'est toi, Zou, Zouzou et tout. Je lui ai dit ouais, il m'a dit c'est toi qui est venu en pingouin et tout. Je lui ai dit ouais, il m'a dit franchement, c'est pas mal et tout. Archi marrant ce mec. John. John, c'est devenu un pote maintenant. C'est vraiment devenu un pote. Il est entre Monaco et Paris. Quand il est sur Paris, on se voit automatiquement. Pareil, je le mets dans la même case. En fait, on se voit. Je le mets dans la même case que Julia parce qu'à chaque fois qu'on se voit, good vibe, il est super bienveillant, adorable. Ce mec-là, c'est la gentillesse à l'état pur. Nantes, il était dans la même chambre que moi avec Mathieu. Nantes, on était ensemble aussi à l'hôtel avant d'intégrer la villa. On s'est bien entendu, on faisait les soirées un petit peu avant. Ça s'est bien passé. Non, je l'aime bien. On n'a plus trop de liens en ce moment. Il est dans le sud, je suis à Paris. Mais Nantes, je m'entends bien avec lui, chill, cool. Lila, je la vois aussi, en dehors. Lila, je la vois depuis le tournage. Lila. Lila, elle est dans sa bulle, Lila, elle me fume. Lila, elle me fait rire parce qu'elle elle est classe, elle est élégante. Et elle me fait rire quand j'ai vu son épisode là sur la sauvage. C'est tout elle, genre elle est fofolle, elle en a rien à foutre. J'aime bien. Mais la sauvage. Mais non, je fais pas la sauvage, je dis des sauvage. Trucs. Allô, tu nous as pas dit. Isabeau, on n'a pas eu le temps de discuter énormément. On s'est un petit peu connus au début, quand on était à l'hôtel avant la villa. Isabeau, très belle fille, très simple. On n'a pas échangé beaucoup, mais de ce que j'ai parlé avec elle, jolie fille, sympa, souriante, rien à dire sur elle. Abby, c'est l'un de mes coups de cœur de l'aventure. J'ai pas fait toute l'aventure avec lui, mais c'est aussi l'un de mes gros coups de cœur. Abby, il a beaucoup de monde sur les réseaux, il est influenceur, il a beaucoup de temps, enfin il bosse beaucoup. Moi je l'ai vu travailler, il travaille comme un acharné. Et pour autant, il va pas snober les gens, il est adorable. Ce mec c'est une crème, je l'aime beaucoup Abby. Marc, le sourire ravageur, El Como. Marc, quand tu le vois, moi j'ai beaucoup de potes qui me disaient « C'est pas ton pote Marc ?»« Ouais, mais comment je l'aime pas, il a l'air hautain et tout. » Marc, quand tu le vois, il fait hautain, voilà, sourire, c'est le jeu. Mais quand tu le connais, Marc, il est pas du tout hautain, il est super sympa, franchement, il est Marc, il est au top. Un mot pour Jade. Jade, vous la voyez sous ses petits airs, là, toute petite, toute mignonne, mais Jade, elle est archi marrante. Jade, on s'est, quand on était à l'hôtel avec Abby, on s'amusait à danser, on faisait des petites chorées avec Jade et Abby. Et je l'ai revue d'ailleurs sur Paris avec Maria. Jade, très marrante cette fille, très 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 drôle.